Bonjour tout le monde, bienvenue sur dans Immobilier 101 où je partage avec vous trucs, astuces et stratégies gagnantes en immobilier. Aujourd'hui, on va décortiquer un point, on va parler évidemment d'immobilier car vous le savez que je suis là pour vous partager les bons trucs et astuces pour vous permettre de passer au prochain niveau dans tout ce qui touche l'immobilier. Et aujourd'hui, j'ai avec moi un top spécialiste hypothécaire, quelqu'un avec qui j'ai fait une transaction. Quelqu'un que justement, qui connaît, qui maîtrise son sujet, qui maîtrise son domaine sur le bout des doigts. Il est chez Multiprêt. Il a été dans le domaine des finances pendant 7 ans, depuis 3 ans chez Multiprêt. Et je vous demande d'accueillir dès maintenant Monsieur Eliakim Volsi de chez Multiprêt. Comment ça va, Eliakim? Ça va très bien, Christopher. Merci pour la présentation, pour l'introduction. Donc, yes. Parce que comme tu le dis, je suis chez Multiprêt, ça fait 3 ans déjà. Donc, c'est un plaisir pour moi de répondre à vos questions, là, de partager un peu mes connaissances. Super. Puis, une des raisons pourquoi je voulais t'amener justement sur mon show, c'est que, je voulais te donner du spotlight parce que je trouve que justement, on a fait une transaction ensemble. On a plusieurs autres clients que je sais qui travaillent avec toi et vice versa. Et tu sais, même moi, j'étais surpris par justement la manière dont tu maîtrises ton domaine, tes habiletés, tes connaissances dans le domaine des hypothèques chez Multiprêt. Puis justement, déjà que le domaine des hypothèques, surtout chez un courtier hypothécaire, c'est vraiment vaste. Puis je trouve que justement, tu as les notions que tu peux partager des trucs et astuces aux gens qui vont leur permettre de justement là, saisir les opportunités, de se lancer dans l'investissement immobilier ou de tout simplement acheter leur première propriété. Donc, brièvement, si tu peux faire une courte biographie sur qui t'es, ton background, puis comment tu peux aider les gens avec les hypothèques. Ben OK. C'est comme on l'a dit, mon nom, moi, c'est Eliakim Volsi. Je suis courtier hypothécaire chez Multiprêt. Multiprêt, c'est la plus grande agence hypothécaire ici au Québec. Nous avons environ 25 prêteurs. Donc, avec qui nous faisons affaire. Donc, lorsque vous me rencontrez ou un courtier chez Multiprêt, d'un seul coup, vous rencontrez environ 25 prêteurs. Donc, au lieu que vous allez dans chacune des banques pour savoir quelle banque va vous donner le meilleur taux, les meilleures conditions, vous me rencontrez d'un coup, je vous dis, voici cette banque, voici son taux, voici cette banque, voici les inconvénients, voici les avantages. Parce que vous, lorsque vous allez dans la banque, lui, il va vous parler des avantages, mais il ne vous dira pas les inconvénients qu'il y a avec. Alors que moi, comme courtier, je vais vous dire, oui, parfait, cette banque a le meilleur taux, mais voici les inconvénients. On va analyser votre besoin ensemble. Et là, moi, je vais vous proposer, selon moi-même, voici les meilleures banques pour votre situation. Donc, chaque banque est différente. C'est souvent ça que les gens ne comprennent pas. Chaque banque a son produit, a sa niche, a sa spécialité. Donc, ça s'adapte plus pour certains clients que d'autres clients. En gros, c'est ça. Super. Puis, un des points que je voulais discuter avec toi, c'est la préautorisation. Parce que malgré que les gens ont discuté, ils ont eu leur meeting avec leur courtier hypothécaire, malgré qu'ils ont eu l'information, souvent j'ai réalisé qu'il y a quand même certaines nuances qui n'ont pas été vraiment claires. Et c'est la raison pourquoi je voulais que tu viennes justement décortiquer la préautorisation avec moi. Et c'est sûr que évidemment, pour ceux qui ne savent pas encore, la préautorisation, c'est le nerf de la guerre. Si vous n'avez pas de financement, vous n'avez pas de propriété. C'est vraiment simple. Donc, mais pour se rendre au financement, pour savoir jusqu'à combien on peut acheter, etc., il vous faut une préautorisation. Peux-tu expliquer justement aux gens qui nous écoutent l'utilité de la préautorisation, puis c'est quoi qu'est-ce qui en contient justement qui peut aider les gens pour les guider lorsqu'ils vont faire leur première acquisition? OK, parfait. C'est comme tu l'as dit, la préautorisation, c'est pour savoir pour quel montant on est qualifié. Mais ce qui est très important de savoir, surtout en ce moment, il y a beaucoup de changements qui sont en train de se faire. Comme tu le sais, peut-être que la majorité des clients ne le savent pas, mais toi, comme courtier, peut-être que tu le sais. On le fait sur une base de préqualification qui est 5.25 actuellement. Actuellement, si, admettons, un client appelle aujourd'hui pour une préqualification, là, il sera qualifié pour 2 montants. OK. S'il veut le taux variable, il est qualifié pour ce montant-là. S'il veut le taux, il est qualifié pour ce montant-là. Pourquoi? Parce que la règle dit, le taux de préqualification, c'est 5.25
ou le taux actuel plus 2%. OK. Alors, ce que actuellement, pendant que je vous parle là, il n'y a aucune banque qui offre le terme de 5 ans fixe en bas de 4%. OK. Le meilleur taux que vous pouvez avoir en date d'aujourd'hui, c'est 4%. 4% plus 2, ça fait déjà 6%. Donc, vous êtes supposé être préqualifié avec 6%. Ça, c'est le taux fixe. Alors, que le taux variable, nous sommes toujours avec le 5,25. Donc, si vous voulez avoir le plus grand montant, il est préférable d'aller avec le taux variable. Mais ça, c'est rare que la banque va prendre le temps pour expliquer tous ces détails-là au client. OK. Ce qu'il faut savoir, les clients vont dire, oui, mais le taux variable, si les taux augmentent, mes paiements vont augmenter. Non, ce n'est pas vrai. Oui et non. Pour certaines banques, oui. Pour d'autres banques, non. Si la personne dit, moi, pour la raison pour laquelle je parle de taux variable, c'est vraiment parce que j'ai peur des paiements mensuels. Parfait. Il y a des banques qui vont vous garder le même paiement. Admettons que votre paiement mensuel est 2 000 $, même si le taux augmente, je ne sais pas, 3-4 fois au cours de l'année encore, vous allez continuer à payer 2 000 $ à tous les mois. Vous n'allez même pas vous rendre compte. Le désavantage que ça fait, c'est que la partie qui était allouée au capital va être beaucoup plus bas. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, lorsque vous faites le paiement, bientôt 2 000 $ par mois, comme on prenait l'exemple, 1 000 $ étaient alloués pour l'intérêt, 1 000 $ étaient alloués pour le capital. Là, les taux ont augmenté, mais toi, tu continues à payer 2 000 $. Qu'est-ce que là, ces banques qui font ça, qu'est-ce qu'ils vont faire? Au lieu que tu paies 1 000 $ de le capital, ça va être 900 pour le capital et 1 100 pour les intérêts. C'est ce que tu vas payer moins de capital pendant que le taux a augmenté. OK. Ça veut dire exactement, ça veut dire tout simplement, si les taux continuent à augmenter, ton amortissement qui était sur 25 ans, ta maison que tu étais supposé payer dans 25 ans, peut-être que tu termineras dans 26, 27, 28 ans. Mais ça, c'est extrêmement à dire parce que c'est réellement si les taux continuent à augmenter. Ça se peut que les taux descendent, comme ça a été pendant la pandémie, les taux ont beaucoup descendu. 100%. C'est là qu'on va dire aux gens, des fois, la personne va juste avoir une préqualification, mais il ne sait pas. La maison, il a une préqualification à 490 000, mais la banque lui a fait un taux fixe. Mais peut-être que s'il était allé voir un courtier hypothécaire, le courtier lui aurait donné un taux variable, tes paiements n'augmentent pas et tu aurais été qualifié à 520 000. Et tu aurais eu la maison que tu viens de perdre pour 5 000 $. Il y a pas qu'ils ne savent pas. Autre chose qui est très importante de la préautorisation. Lorsqu'on te fait la préqualification, on le fait sur ta situation actuelle. C'est très important que tout changement qui arrive dans ta vie, que tu annonces ça au courtier hypothécaire. Là, il le fait sur la base de cet emploi que tu as. Tu as un nouveau emploi, ça ne dit pas que tu ne seras plus qualifié. Ça dit juste confirme avec le courtier. Ça se peut que le nouveau emploi, peut-être que tu seras qualifié pour un plus grand montant, peut-être que le montant va descendre. Ça se peut, il faut vraiment qu'il le voie. Il l'a fait sur une base des dettes que tu as. Sur les bases des dettes que tu as. Oui, tu es qualifié à 500 000 aujourd'hui, mais aujourd'hui, tu n'as pas de voiture. Donc, demain, ne va pas acheter une voiture et par la suite dire oh, j'étais qualifié pour 500 000. Non, tu es qualifié pour 500 000 sur la base des dettes que tu as présentement. C'est très important. Il l'a fait sur la base du crédit que tu as aujourd'hui. Si ton score aujourd'hui est à 700 et après 2 semaines, ton score descend à 650, ce n'est plus la même chose. Donc, chaque fois qu'il y a un changement de votre situation, c'est très important d'appeler le courtier. C'est très important. Autre chose qui est important que beaucoup de gens commettent comme erreur, la mise de fonds de la préqualification. Il ne faut pas faire des gros dépôts lorsqu'on va acheter la maison. Si aujourd'hui, tu as 30 000 $ dans ton compte bancaire, demain, viens pas prendre 5 000 $ qui étaient sous les matelas déposés dans ton compte bancaire. Ça va te bloquer. C'est très important. Souvent, les gens ne le savent pas. C'est tellement vrai. Oui, ils ont 5 000 $ qui est sous les matelas, ils le déposent, that's it. La banque demande d'où vient cet argent, c'était sur les matelas, mais non, ça ne marche pas là. Ça marche. Donc, il y a plein d'affaires. Il faut vraiment avoir, surtout le marché actuel qui n'est pas facile, il faut vraiment avoir un courtier à qui tu peux appeler à tout moment. Tu as la moindre question, appelle-le. Tu dois avoir quelqu'un que tu peux appeler à tout moment parce que souvent, c'est pas le domaine des clients. Un petit changement que pour lui, c'est rien, mais c'est beaucoup. Ou du moins, s'il rencontre quelqu'un qui lui dit non, c'est rien, mais non, ça cause quelque chose. Non, 100%. Puis, si tu me permets de t'interrompre, tu vois, tous les points que tu viens de mentionner là, c'est toutes des choses qui me sont arrivées. Tu vois, j'ai eu un client, justement, j'ai eu des Haïtiens qui sont venus, eux autres, parce que justement, en Haïti, les gens font pas confiance aux banques. Fait que lui,
tous ses revenus, toutes ses payes qu'il recevait, il sortait de la banque, il gardait le reçu, puis il mettait l'argent dans un coffre chez lui ou peu importe, pour que arrivé quand c'était le temps de la préautorisation, non, quand c'était le temps du financement, il dit, oh, mais Chris, c'est moi qui ai l'argent, j'ai pas l'argent à la banque, fait qu'on n'a pas passé au financement. Mm-hmm. La semaine passée, j'ai un condo sur le marché que j'ai mis, puis tu vois, l'agent m'appelle après 3 jours qu'on a accepté sa promesse d'achat, parce qu'il a une préautorisation d'une banque connue, d'une grosse banque. Fait qu'on, puis son offre était la plus intéressante, fait qu'on l'a acceptée. Puis 2 jours après, il m'appelle, puis il me dit, Chris, je magasinais. Ben, l'agent qui m'appelle, il me dit que son client ne l'avait pas averti, mais il avait perdu son emploi, puis il continuait de faire des visites avec son courtier. Mm-hmm. C'est comme... Fait que, mais tout ça pour dire, un des points que tu viens de mentionner qui est vraiment important, c'est comme tu l'as si bien dit, les spécialistes, les courtiers, on est là, un courtier hypothécaire, et Eliakim est là pour que vous l'appelez justement, si jamais vous avez des questions, vous avez une intention d'acheter ou de faire une acquisition, peu importe, pas de l'immobilier, mais quelque chose d'autre qui pourrait peut-être venir jouer ou affecter votre préautorisation ou le financement de l'achat de votre propriété, appelez-le avant. Appelez-moi aussi, on est là à votre disposition. Pourquoi je dis ça? C'est parce que, justement, appelez-nous pas une fois que l'achat est fait. Appelez-nous avant pour vous assurer que l'acquisition, que ce soit une voiture, que ce soit des meubles mobiliers, que vous voulez acheter quelque chose sur financement, appelez-nous avant pour s'assurer que ça ne va pas venir affecter vos ratios, qui ne va pas venir affecter l'achat de vos propriétés, qui pourrait vous bloquer puis faire en sorte que vous n'allez même pas pouvoir acheter. Et si je pourrais ajouter, il y a beaucoup de gens pendant le mois de juin, il va falloir qu'ils revisent leur préqualification parce que, admettons que la personne avait des enfants, donc on avait pris les allocations pour calculer ta préqualification. Mais là, au mois de juin, tu as une nouvelle, les allocations ont changé. Peut-être que ça a augmenté, peut-être que ça a descendu, je ne sais pas. Mais il faut qu'on revise parce que si, admettons, la personne avait 10 000 $ d'allocation, et là, ça a baissé à 7 000 $ pendant le mois de juin. Mais écoute, il faut que le courtier le sache parce que là, c'est 3 000 $ de revenus. Peut-être que ce n'est pas beaucoup, mais peut-être que ça peut jouer sur être qualifié à 500 000 ou être qualifié à 497 000. Ça peut faire une différence. Donc, c'est vraiment tout changement là qu'il faut vérifier. Exact. Fait que dans le fond, en d'autres mots, là, en résumé, qu'est-ce que tu viens de nous spécifier, c'est que à la minute que les gens, ils ont leur préautorisation, là, c'est confirmé, ils ont leur préautorisation. Tant et aussi longtemps qu'ils n'ont pas passé chez le notaire, tout changement qu'il peut avoir ou toute chose qui pourrait venir affecter le crédit ou affecter leur ratio d'endettement avec des nouveaux achats à crédit ou à financement, ils doivent t'appeler, ils doivent nous appeler avant de faire quoi que ce soit là. Exactement, exactement. Super, parfait. Puis une autre chose aussi, peux-tu nous aider à comprendre dans la préautorisation? Parce que je sais que ça varie de banque en banque, je vais te laisser l'expliquer, mais quand on a été accepté avec la préautorisation, on a pu geler le taux. Le taux est gelé pendant combien de temps? Puis c'est quoi les conditions qui s'appliquent? Ben, le taux est gelé, ça va dépendre de la banque. Il y a des banques qui vont geler pour 3 mois, 4 mois, 5 mois, jusqu'à même 6 mois, quelques banques vont le faire. Ça va dépendre de la banque. Lorsque c'est gelé en fonction de votre situation actuelle, de la personne. Si par la suite, il y a un changement, par exemple, on va dire que vous êtes préqualifié pour 400 000, mais vous venez avec une maison à 450 000, il y a des banques qui vont quand même garder le taux, mais il y a des banques qui vont dire non, c'était pour 400 000, là maintenant c'est 450 000. C'est plus facile si le montant est plus bas que si le montant est plus haut. Si vous ajoutez quelqu'un d'autre, si par exemple c'était vous deux, c'est vous et votre conjointe finalement, vous étiez qualifié à 500 000, mais vous voulez une maison à 600 000, vous ajoutez finalement votre frère, ça fait 3 personnes. Il y a des banques qui pourront vous dire oui, mais il y en a qui vont dire non, 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 je vous avais gelé le taux pour 2 mois, pour 2 personnes. Là, il y a eu des changements. Donc, c'est toutes ces affaires-là qu'il faut prendre en considération en termes de geler le taux. Et quoi d'autre que je pourrais dire, c'est... Puis dans le fond, est-ce que... comment je pourrais dire... c'est quelles les banques qu'on peut geler pendant 90 jours ou plus? Les connais-tu? Ouais, je peux pas citer le nom des banques. Ah non? OK, c'est bon. C'est correct. Oui. Parfait. Puis, il y a une nuance que je vois souvent, c'est que des fois, les gens vont avoir leur préautorisation, puis ils vont penser que c'est le montant de la préautorisation, puis
que, comment je pourrais dire, que le montant maximum de la préautorisation, c'est ce montant-là plus, puis ils peuvent rajouter la mise de fonds. Versus, est-ce que c'est le montant maximum qui a été préapprouvé, puis ce montant-là inclut la mise de fonds à l'intérieur? Peux-tu expliquer la nuance pour les gens? Souvent, le courtier, comment il va le faire? Il va le faire avec 5 % de mise de fonds. Donc, si la personne vous donne une lettre à 500 000, c'est 500 000 $ le prix de la maison que vous pouvez acheter. 500 000, 5 % de mise de fonds. Si là, vous lui dites, mais non, moi, je ne vais pas donner seulement 5 %, je vais donner, par exemple, 70 000. Là, il va faire le calcul, il va mettre 70 000 $ de mise de fonds, il va mettre le montant de la préqualification, de la majorité des cas, c'est le prix de la maison. Ce n'est pas le montant plus la maison, parce qu'il y a une autre affaire que les gens souvent ne s'en rendent pas compte. Vous achetez une maison à 500 000, vous mettez 25 000 $ de mise de fonds, ce n'est pas 475 000 plus 25 000. Il y a également la prime SCHL qui est plus connue, la prime de l'assureur, que la banque ajoute aussi. Il y a tout ça dans le calcul que peut-être vous a pas... Il vous l'a expliqué, mais peut-être que vous n'avez pas totalement compris. Comme qui fait en sorte que ce n'est pas 475 000 plus 25 000. La banque ne va pas vous prêter 475 000. C'est 475 000 plus le montant de prime de la SCHL, de la prime de l'assureur, je veux dire, qui peut être facilement arrivé à 490, 495 000. Au total, c'est pour cela que vous allez voir, ah, ma maison coûte 500 000, j'ai donné 25 000 $ de mise de fonds, pourquoi je dois à la banque 494 000 et parce qu'il y a un montant qui s'est ajouté. Pourquoi lorsqu'on met 500 000, c'est 500 000. Maintenant, comment ça peut jouer comme 500 000, mais finalement, vous êtes qualifié pour 505 000? Chaque maison est différente. Lorsqu'on fait la préqualification pour vous, le prix que vous êtes qualifié dépend aussi de des taxes municipales et scolaires. Mais on ne connaît pas quelle sera les taxes municipales et scolaires de la maison que vous allez choisir. Ça se peut que vous trouvez une maison qui vaut 500 000, les taxes municipales et scolaires coûtent pour année 4 000 $. Pour notre maison, c'est 3 500. Pour notre maison, c'est 4 500. Pour notre maison, c'est 5 000 $. Le courtier, lui, qu'est-ce qu'il va faire à la base? Il va mettre un montant raisonnable selon lui. Il dit, bon, une maison à 500 000, mais ça se peut que les taxes, ça va être à 4 500 pour année. Il va mettre 4 500, okay. Vous qualifiez pour 500 000. Mais là, finalement, vous trouvez une maison où les taxes municipales et scolaires par année coûtent 3 500, vous pouvez l'appeler. Vous pouvez l'appeler et dire, écoute, c'est quoi le montant maximum? C'est pour cela que vous allez voir, vous l'appelez aujourd'hui pour cette maison et vous dire, maximum pour cette maison, ça va être 510 000. Vous appelez pour notre maison, maximum, ça va être 505 000. Pour notre maison, maximum, ça va être 515 000. Parce que les taxes, ça varie d'une maison à l'autre, mais il ne le sait pas. Souvenez-vous. Pas, mais écoute, si jamais, moi je le dis souvent à mes clients, si jamais vous trouvez une maison, par exemple, vous avez une qualification à 500 000, vous croyez que pour passer, il vous faut 505 000, appelez-moi, on va le regarder ensemble. On va le regarder ensemble. Ok, je comprends. Il existe encore, lorsque la personne a quelques dettes, par exemple, en carte de crédit ou marge de crédit qu'on ajoute dans les dettes, il y a des banques qui vont prendre 3 % du solde, par exemple. Vous avez une dette de 10 000 $ sur votre marge de crédit. Il y a des banques qui vont mettre 300 $ dans les passifs pour 300 $. Il y a d'autres banques qui vont prendre 5 %. Ça va être 500 $. Donc, pour cette banque, vous êtes qualifié pour tel montant. Pour l'autre banque, vous êtes qualifié pour tel montant. Donc, il y a des banques qui font en sorte que ça peut jouer dans votre préqualification. Autre chose qui est super, hyper, méga important que les gens ne savent pas. Bon, je vais dire deux autres choses, en fait. Il y a ce qu'on appelle les allocations. Si vous recevez les allocations, ça se peut, très probablement, vous allez dans cette banque qui va vous donner ce montant, 500 000, et l'autre banque va vous qualifier pour 550 000. Pourquoi? Parce que cette banque-là, lui, il ne prend pas les allocations provinciales. Les deux. Admettons que pour le provincial, vous recevez 5 000 $, pour le fédéral, vous recevez 5 000 $. Ça fait 10 000 $ pour cette banque, mais pour cette autre banque-là, c'est 5 000 $. 5 000 $ de revenus, facilement, ça peut vous faire, si je ne me trompe pas, je ne vais pas me tromper, hein. 5 000 $ de revenus, si je ne me trompe pas, ça peut faire un 25 000 $ sur la préqualification, sur le montant. OK. Je ne me trompe pas, hein? Facilement. Donc, écoute, vous avez des allocations, vous êtes allé dans cette banque-là, elle vous donne 500 000, ouais, mais si vous étiez allé voir un courtier, elle vous aurait donné 550 000. La maison que tu viens de perdre parce que la personne qui l'a pris a donné 530 000, tu aurais pu donner 540 000 et tu l'aurais eu. 100%. 100%. Tu es allé dans la mauvaise banque. Ce n'est pas que tu n'es pas qualifié, c'est que tu es allé dans la mauvaise banque. Autre point qui est important, lorsqu'on achète les plex,
duplex, triplex, quadruplex. Il y a des banques qui vous offrent beaucoup plus qu'une autre banque. Cette banque va te qualifier pour 700 000, cette banque va te qualifier pour 600 000. Pourquoi? Cette banque ajoute les taxes municipales et scolaires dans les passifs. Cette banque, cette banque qui l'ajoute vous dit, moi, vous êtes qualifié pour 600 000. Cette banque qui ne l'ajoute pas dit que vous êtes qualifié pour 700 000. Mais vous, vous ne savez pas ça. Vous allez dans votre banque et vous donne 600 000. Parfait, elle ne vous dit rien d'autre, vous ne comprenez pas. Parfait, je suis qualifié pour 600 000. Alors que si vous étiez allé voir un courtier, parfait, le maximum, ça va être 700 000 pour pouvoir aller à 700 000. Mais pas n'importe quel courtier. C'est pour ça qu'en allant voir un top expert comme toi, là, les gens vont avoir les bonnes informations puis vont pouvoir faire les bonnes acquisitions selon leur situation. Parce que qu'est-ce que tu viens de dire là? C'est très important. C'est parce que effectivement, les gens à la maison, même si, comment je pourrais dire, c'est même si, peu importe dans quel domaine que vous êtes, puis l'expérience ou les connaissances que vous avez dans l'investissement immobilier, l'achat immobilier ou de, par rapport aux banques, le financement, tout ça, vous ne pouvez pas remplacer les connaissances et l'expertise d'un spécialiste comme Eliakim. Et justement, ces choses-là, par rapport à quelle institution va accepter telle chose ou va considérer telle chose dans leur calcul, c'est toi qui as cette information-là. Là. Oui, c'est ça. Mais je dirais pas mal, beaucoup de courtiers. Oui, non, je parle des courtiers hypothécaires, mais je veux dire le monsieur, madame, tout le monde qui est pas, qui travaille pas dans les banques ou justement qui travaille pas, justement, qui a pas accès à toutes les institutions comme toi, que ce soit les grosses banques, les banques virtuelles, les prêts turbés, etc. Ils ont pas ces connaissances-là. Donc, souvent, ils vont s'arrêter à une banque, la banque a dit non, puis ou ils ont un montant de préautorisation qui est pas assez élevé, donc ils vont se contenter de leur budget, mais versus que d'aller voir un expert comme toi, toi, tu peux vraiment les faire voir tout qu'est-ce qui s'offre à eux, toutes les options qui pourraient s'offrir à eux. Exactement. L'autre avantage que le client ne sait pas lorsqu'il a un courtier, c'est que t'as le courtier, tu peux l'appeler à tout moment. Tu peux l'appeler à 9h du matin, tu vas parler, si tu avais oublié quelque chose, tu l'appelles à 4h du matin. Par la suite, tu parles avec ta cousine et finalement, tu l'appelles à 7h du soir. Écoute, moi, par exemple, moi, je suis très ouvert à ces affaires-là. Même le week-end, tu m'appelles pour une question, je vais te répondre. Ça fait beaucoup de différence. Les gens ne se rendent même pas compte. Je vais vous dire un exemple très simple. Là, tu es allé à la banque, il ouvre ton bureau de crédit, il voit que sur la carte de crédit, tu as une dette de 10 000 $ Mais toi, tu viens de le payer, tu l'as payé hier. Mais ce n'est pas encore à jour de ton bureau de crédit. La banque va le faire sur le 10 000, il va mettre 10 000 $ de dette pour vous. Mais toi, tu n'as plus cette dette-là. Souvent, ils ne vont pas vous le dire, ils n'ont pas le temps ou ils n'ont pas pris le temps pour vous le dire. Mais ça aurait fait une grande différence, ce 10 000 $-là qui est payé. J'ai déjà vu des clients qui sont qualifiés pour 600 000, mais ils sont allés à la banque, on leur a donné 300 000. Pourquoi? Ils ont une dette qui a déjà été payée, que la banque ne sait pas. Ils ont une dette qui sera payée dans une, deux semaines, la banque ne sait pas ça. La banque le laisse comme ça. La banque le laisse comme ça. Souvent, c'est comme ça. La banque va lui dire, parfait, blablabla, vous êtes qualifié pour ça, monsieur. Alors que le courtier, souvent, par exemple, dans mon cas, j'ai pris de mon temps, parfait. Tu as une dette sur ta carte de crédit, c'est 8 000 $ Non, maintenant c'est à 4 000. Parfait, t'es sûr, tu ne vas pas l'augmenter. Non, je ne vais pas l'augmenter, c'est à 4 000 $ Parfait. Là, j'enlève le 8 000 qui est dans ton bureau de crédit, je mets 4 000 dans le système. Là, je vois une dette, marge de crédit, 7 000 $ Non, t'inquiète pas, je vais recevoir un don de mon père, je vais le payer cash. Tu vas le payer d'ici la semaine prochaine. Oui, je vais être très important, il faut que ça soit payé. Donc, j'enlève ça des calculs, ça va faire une super grosse différence pour les clients. Souvent, les clients ne savent pas ça. Effectivement. Puis, revenons sur les plex rapidement. Tu sais, je sais que pour les hypothèques, puis tout dépendant le type de propriété, c'est du cas par cas. Mais comme tu l'as dit tantôt, c'est sûr que quelqu'un qui veut acheter un condo, les frais de condo vont venir, puis tu vas me corriger, mais les frais de condo vont venir peut-être baisser son montant, baisser sa capacité d'emprunt. Versus pour une maison, il pourrait aller pour un montant X, mais aussi, s'il va pour un duplex, triplex, il peut aller pour des montants plus élevés parce que à cause des revenus, corrige-moi si je me trompe, on peut aller à plus ou moins 50 000 par appartement. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu peux me corriger là-dessus ou donner la bonne information aux gens? Ouais, c'est un peu vrai ce que tu dis, mais il n'y a pas vraiment un montant fixe, 50 000 par appartement, parce que le tout va dépendre des baux. Des baux, le bail, ça va dépendre des baux, c'est quoi les revenus que le locataire paye. Si par exemple, tu trouves un duplex et il y a un 4,5 qui est loué à 600 $
ça fait une différence contrairement à si tu trouves un duplex et un 4,5 qui est loué à 1 300 $. Vraiment une montée de 50 000 $ de plus, c'est vraiment quel revenu que ça apporte. Parce qu'à la base, tout ce qu'il faut savoir, c'est une question de revenu d'être le plus important. Revenu, c'est qu'est-ce qu'il regarde, c'est est-ce que vous êtes capable de me payer? That's it. Est-ce que si je vous prête ça, vous serez capable de me payer? Un revenu de 600 $ et un revenu de 1 200 $, ça fait une différence. Super. Puis j'ai une dernière question pour toi. OK? Pendant que tu es là, vu que j'ai un expert, puis les gens peuvent nous écouter, réponds-nous au meilleur de ta connaissance. Mais avec tous les sceptiques qui disent que l'immobilier va crasher, qu'il va avoir beaucoup de saisies, que les gens qui ont acheté en surenchère vont peut-être redonner les clés, etc. Mais la chose que les gens ne prennent pas en considération, et tu l'as dit d'entrée de jeu, c'est que les banques qualifient les gens à un taux qui est déjà plus élevé. Fait que malgré l'inflation, malgré que les taux augmentent, mais les gens ont été qualifiés à un montant plus élevé. Est-ce que selon toi, dans les futures années, il risque d'avoir plus de saisies ou quoi que ce soit? Peux-tu nous donner ton point de vue là-dessus? Ça, c'est une question vraiment touchy-touchy. Là. Ça va être vraiment mon point de vue, OK? Ça va être mon opinion à moi. Okay, parce qu'il y a beaucoup d'experts qui se sont lancés là-dessus. Ils ont fait des erreurs. Si on se souvient bien, en 2020, la SCHL qui avait même prédit qu'il y aurait une baisse des prix de l'immobilier. Et finalement, ils se sont trompés. Ben, je n'ai pas un bout de cristal, mais je vais vous dire mon point de vue. Est-ce que le marché risque de cracher au point que les jeunes pensent? Je pense que ça va être difficile. Parce qu'ici au Canada, on est quand même pas mal protégé. Les banques ont déjà fait beaucoup de calculs là-dessus. Surtout au Québec, il y a quand même beaucoup de protection, le marché. Parce que souvent, lorsqu'on parle du marché, on parle du marché américain qui est beaucoup plus sensible que le nôtre. Et ça, c'est la première chose. Deuxième chose, est-ce que les prix vont baisser? Écoute, même si les prix baissent, ça va baisser pendant quelques mois, une année, quelques années, au grand max, mais sur le long terme, ça va toujours augmenter. Soyons sérieux, quelqu'un qui a acheté une maison l'année 2000, dis-moi ce que vous voulez, là, ça vaut beaucoup plus qu'aujourd'hui. À moins qu'il y ait une catastrophe de la maison, quelques situations rares, que la maison ne vaut plus rien, là, c'est extrêmement rare. Mais à la base, sur le long terme, vous allez toujours être gagnant. C'est ça l'immobilier. Écoute, souvent, je vois les gens qui disent qu'ils attendent que le marché baisse. En 2020, il y a beaucoup de gens qui attendaient que le marché baisse. Ils ont manqué le bateau parce que le marché continue de faire ça. Merde. Exact. Tout le monde va toujours vouloir, les gens vont toujours vouloir habiter quelque part. Là, la pandémie s'est calmée un petit peu. Les avions recommencent avec leur vol. Donc, il va y avoir plus de gens. Canada qui fait de son mieux pour avoir beaucoup plus d'immigrants. Et les gens de l'Ukraine qui viennent ici. Donc, c'est comme on a besoin de logement. Là. Les gens ont toujours besoin de logement. C'est la demande. Là. On a un petit point. C'est pas vraiment une question, mais je vais te laisser élaborer là-dessus, puis on va terminer par la suite. On a Christelle Kamanid sur YouTube qui nous dit qu'avec ses explications, je pense qu'il est mieux de travailler avec un courtier immobilier et hypothécaire, car ils savent personnaliser l'offre et la demande. J'imagine qu'elle veut dire l'offre, justement, par rapport aux besoins du client. Qu'est-ce qu'il recherche en termes de produits hypothécaires lorsqu'il va trouver sa propriété? Oui, en fait, c'est ça, parce que, comme je vous le dis, si par exemple la personne dit « je veux ma banque », pas de problème, je peux t'envoyer de ta banque, là, je travaille pour les banques aussi. La différence, c'est vraiment que je travaille pour plusieurs banques à la fois, je n'ai pas un intérêt à te focaliser sur une banque, à moins que c'est le mieux qui est le plus avantageux pour toi. Contrairement avec lorsque tu vas à la banque, écoute, tu peux me dire ce que tu veux, là, même si la banque sait parfaitement que la meilleure banque pour toi, c'est la banque B, c'est la banque voisine, il ne va jamais te dire. Il n'a aucun intérêt à le dire. Parce que moi, je vais te dire tout carrément. Je vais te dire, tu m'appelles, je suis allé à ma banque, ils m'ont dit c'est eux les meilleurs, blablabla, ils donnent le meilleur taux. Oui, ils donnent le meilleur taux, exactement. Mais est-ce qu'ils t'ont dit qu'ils font ça? Ah ouais? Ils le font. Cette banque, oui, il ne le fait pas. Cette banque est mieux dans ça. Dans ta situation, c'est quoi le mieux? Moi, comme courtier, je travaille avec plusieurs banques. J'écoute, moi, que tu prends banque A, banque B, banque C, autant que tu fais avec moi, j'ai aucun problème. Super. Puis, là, je sais que j'ai dit dernière question, mais là, c'est moi qui te pose une dernière question. Je vais nous amener vers la fin. Mais pour les gens qui ne le savent pas, vu que tu fais affaire avec plusieurs banques, ce n'est pas juste une question de prêt hypothécaire. Peux-tu expliquer aux gens de quelle façon tu peux les aider avec du refinancement, garantie collatérale ou des marges de crédit ou prêts privés, peu importe. Je te laisse expliquer comment tu peux aider le maximum de personnes.
Écoute, je pourrais passer toute la journée là à dire juste répondre à cette question-là, OK? Mais je vais essayer d'être le plus bref que possible. Il y a un problème que je rencontre souvent, malheureusement, c'est parce que les gens ne le savent pas. La personne va aller dans sa banque, il a eu un refus, il va attendre 3-4 ans. Finalement, il m'appelle, il dit « Pourquoi tu as attendu aussi autant de temps ?»« Ah, mais écoute, tu ne savais pas, là, je ne te connaissais pas. » Si tu m'avais contacté au même moment que tu avais le refus, tu aurais acheté ta maison. Ta banque t'a refusé ne veut pas dire que toutes les banques vont te refuser. Des fois, c'est le crédit. Des fois, c'est juste quelque chose de très simple que la personne a le crédit. Mais la banque, ils ne vont pas te le dire. Peut-être parce qu'ils ne le savent pas. Probablement parce qu'ils ne savent pas comment corriger le crédit. Mais moi, je vais te dire, voici ce qu'il y a de ton crédit. Voici. Dans un délai, 1 mois, 2, 3, 4, 5 mois, dépendamment de ce qu'il y a de ton crédit, tu vas acheter ta maison. La personne a déjà une faillite ou une proposition au consommateur. Il y a des banques qui ne veulent rien savoir de ça. La personne va dans sa banque, c'est un refus, mais il y a cette banque qui va t'accepter. Ah ouais, comment tu le sais? Mais je ne vais pas te dire d'aller voir toutes les banques. Si tu vas voir toutes les banques un par un, ça va graver ton bureau de crédit. Parce qu'à chaque fois que tu vas dans une banque, ils font chacune une enquête de crédit. Alors que moi, je n'ai qu'à faire qu'une enquête qui est valable pour toutes les banques. Moi, je dis, tu as une proposition, parfait. Je sais déjà que cette banque va te refuser, parfait. Voici les banques qui vont t'accepter. Ils demandent ça, fais ça, face à ça. 3, 4, 5, 6 mois, ça dépend. Sauf que tu vas acheter. That's it. OK? Il y a également le prêteur privé, comme tu l'as dit. À la base du prêteur privé, ce qu'il faut avoir en tête, c'est une question de équité sur la maison. C'est l'équité sur la maison qu'ils regardent. Minimum, ils vont à 75% au moins. Là. C'est ça qu'ils regardent. Est-ce qu'il y a de l'équité? L'équité. Donc, à la base, c'est ça pour les prêteurs privés. Également, il y a des prêteurs qui sont spécialisés pour les gens qui ont des problèmes de crédit, comme je disais tout à l'heure, mais qui veulent refinancer. Donc, tout à l'heure, je dis, dépendamment de ce que tu as, tu peux attendre 1 mois, 2, 3, 4, 5, 6 mois, 1 an, ça dépend. Ça va dépendre vraiment de ton crédit. Mais il y a des banques qui sont prêtes à te financer maintenant. Maintenant, tu veux refinancer. Tu as un problème sur ta maison, ils vont te refinancer maintenant. Ton crédit est à cas. Maintenant, ils te refinancent. Maintenant. Mais les gens ne savent pas ça. Il y a des banques qui sont utilisées pour ça. C'est tellement drôle parce que effectivement souvent les gens font des erreurs où ils perdent leur propriété ou se retrouvent dans des situations. Puis qu'est-ce qui fait que la situation, comment je pourrais dire, ils arrivent à un point de non-retour, c'est souvent le manque d'information. C'est souvent parce qu'ils n'ont pas contacté les professionnels, les experts qui ont l'information, les bons trucs et astuces pour leur permettre de justement d'éviter ou de sortir de cette situation-là. Eliakim, juste avant que je te laisse partir, quelqu'un nous a posé une question. Je ne peux pas te laisser partir sans répondre à cette question-là. Cette question est challengeante. Je vais la mettre à l'écran tout de suite. Quelqu'un nous demande, j'ai été libéré de faillite il y a 1 an. Puis-je acheter un triplex avec ma femme? Très belle question. J'adore cette question. Parfait. Il y a 2 choses. Il y a les banques que tout le monde connaît, là, je ne vais pas citer, tout le monde connaît. Donc, il y en a qui ne vont jamais te financer. Jamais. Mais il y en a qui vont te financer. OK? Qu'est-ce que cette banque-là demande? C'est 2 ans après la libération. Donc, tu as été libéré, ça fait 1 an. Donc, on va dire que tu as été libéré, on va dire mai 2021, le plus tôt que tu peux acheter, c'est mai 2023, après 24 mois. Mmh. Mais il y a des choses à faire. Ce n'est pas juste que tu attends mai 2023, tu m'appelles, moi je te dirai, appelle-moi le plus tôt possible. Je suis sérieux là, je suis sérieux. Appelle-moi le plus tôt possible. Pourquoi? 2 ans après la faillite, il faut avoir un minimum de 2 lignes de crédit refait. Qu'est-ce que cela veut dire, 2 lignes de crédit? Une ligne de crédit, c'est n'importe quoi. C'est une carte de crédit, une marge de crédit, un téléphone, un prêt étudiant, une voiture. C'est du crédit. Qu'est-ce que la banque veut voir? OK, tu avais quelque chose, tu étais dans une situation, une impasse, ça peut arriver à n'importe qui, donc tu étais obligé de déclarer faillite. Parfait. Mais après ta libération, ils veulent voir comment tu te comportes avec le crédit. Il y a des gens qui font l'erreur après la faillite. Je veux rien savoir des cartes de crédit, c'est à cause de ça que j'ai eu des problèmes, je veux rien savoir. Mais non. Il faut la voir, c'est exactement ce que la banque veut voir. Elle veut voir est-ce que tu es capable de gérer 2 lignes de crédit, s'il te plaît, aucun retard. Ils ne vont pas te pardonner le retard. C'est pas vrai, tu as une faillite et là, tu vas avoir un retard dans tes affaires. Non, ils veulent se rassurer que tu es capable de bien payer tes affaires. 2 lignes de crédit refait. 2 lignes, très important. Mais là, maintenant, tu as une faillite, tu es allé à la banque, tu es allé chercher une carte de crédit, ils te refusent. Oui.
il y a des banques qui vont te refuser. Là, il faut regarder dans ton Equifax est-ce que toi as été corrigé. Mais c'est ça, moi, je te dis, il faut m'appeler. Moi, je vais regarder pour toi en fonction de avec quel créancier qui était dans ta famille. Je vais te dire, voici comment faire pour avoir du nouveau crédit. Après 2 ans, tu peux acheter. Ça, c'est la première option pour les banques que tout le monde connaît. Comme on disait tout à l'heure, il y a des banques que les gens ne connaissent pas. Ce sont souvent les prêteurs B qu'on appelle. Ils sont prêts à te financer maintenant. Mais il faut avoir un minimum de 20% de mise de fonds. 20 jusqu'à 25% de mise de fonds, je dirais. Ils sont prêts à te financer maintenant, immédiatement que tu es libéré. Mais eux, ils se basent, ils veulent une certaine garantie, là, comme c'est l'équité de ta maison. Si c'est pour refinancer, si tu as 80% de valeur au moins de ta maison, tu peux. Si c'est pour acheter, il faut au moins 20 à 25% de mise de fonds. Super. Et Eliakim, un gros merci pour tes connaissances, ton expertise. Je pense que les gens l'ont vu. Je pense que ça l'a pu transparaître à travers la vidéo à quel point tu peux justement faire une différence positive au point de vue des hypothèques, au point de vue du financement hypothécaire dans la vie des gens. Juste avant qu'on quitte, où est-ce que les gens peuvent te contacter? Est-ce que c'est en ligne, ton cellulaire, ton adresse courriel? Vas-y, je te laisse expliquer aux gens comment te contacter. Mais me contacter, c'est très facile. Il y a mon numéro qui est le 438-368-3617. Je répète, 438-368-3617. Appelez-moi comme vous pouvez. Appelez-moi dans les heures normales. 8h jusqu'à 8h du soir, j'ai aucun problème. Envoyez-moi un texto, un WhatsApp. Sur Facebook, tapez mon nom, Eliakim Volsi Kouti, hypothécaire. Une question, ça ne me dérange pas, je vais vous répondre. Une question, écoute, Eliakim, j'aimerais juste ça. J'ai aucun problème. Tu veux un rendez-vous, on va planifier un rendez-vous. Donc, vous pouvez également m'écrire dans mon courriel qui est evolsi, c'est E, et puis Volsi comme mon nom, à commercialmultiprêt.ca. Vous m'écrivez, écoute, je vais vous répondre. Non, super. Un gros merci, Eliakim. Donc, pour tous ceux qui nous ont écoutés pendant l'heure du midi, je vous remercie de nous avoir prêté vos oreilles. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à les mettre plus bas dans les commentaires. Même si vous écoutez la vidéo en rediffusion, moi et Eliakim, on va s'assurer de revenir pour pouvoir répondre à vos questions, mais surtout vous donner la bonne information. Encore une fois, un gros merci, Eliakim. Et pour toutes les gens qui nous écoutent, passez une excellente journée et si vous avez quoi que ce soit dans un besoin d'immobilier, vous n'hésitez pas à nous contacter. Merci tout le monde. Merci.